Je dis ce que j'ai vu et ce que je crois. Et qui dira que je n'ai pas vu ce que j'ai vu? Je lui déchire maintenant la tête. Car je suis une irrémissible brute. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que le temps ne soit plus le temps. Ni le ciel, ni l'enfer, s'ils existent, ne peuvent rien contre cette brutalité qu'ils m'ont imposée. Peut-être pour que je les serve, qui sait? En tout cas, pour m'en déchirer. Ce qui est, je le vois avec certitude. Ce qui n'est pas, je le ferai, si je le dois. Voilà longtemps que j'ai senti le vide, mais que j'ai refusé de me jeter dans le vide. J'ai été lâche, comme tout ce que je vois. Quand j'ai cru que je refusais ce monde, je sais maintenant que je refusais le vide, car je sais que ce monde n'est pas, et je sais comment il n'est pas. Ce dont j'ai souffert jusqu'ici, c'est d'avoir refusé le vide qui était déjà en moi. Je sais qu'on a voulu m'éclairer par le vide, et que j'ai refusé de me laisser éclairer. Si l'on a fait de moi un bûcher, c'était pour me guérir d'être au monde. Et le monde m'a tout enlevé. J'ai lutté pour essayer d'exister, pour essayer de consentir aux formes, à toutes les formes, dont la délirante illusion d'être au monde a revêtu la réalité. Je ne veux plus être un illusionné. Mort au monde, à ce qui fait pour tous les autres le monde, tomber enfin, tomber, monter dans ce vide que je refusais, j'ai un corps qui subit le monde et dégorge la réalité. J'ai assez de ce mouvement de lune qui me fait appeler ce que je refuse et refuser ce que j'ai appelé. Il faut finir. Il faut enfin trancher avec ce monde qu'un être en moi, cet être que je ne peux plus appeler, puisque s'il vient, je tombe dans le vide, cet être a toujours refusé. C'est fait. Je suis vraiment tombé dans le vide depuis que tout de ce qui fait ce monde vient d'achever de me désespérer. Car on ne sait que l'on n'est plus au monde que quand on voit qu'il vous a bien quitté, mort. Les autres ne sont pas séparés. Ils tournent encore autour de leur cadavre. Ils tournent encore autour de leur cadavre. Et je sais comment les morts tournent autour de leur cadavre, tournent autour de leur cadavre depuis exactement 33 siècles que mon double n'a cessé de tourner. Or, n'étant plus, je vois ce qui est. Je me suis vraiment identifié avec cet être qui a cessé d'exister, et cet être m'a tout révélé. Je le savais, mais je ne pouvais pas le dire. Et si je peux commencer à le dire, c'est que j'ai quitté la réalité. C'est un vrai désespéré qui vous parle et qui ne connaît le bonheur d'être au monde que maintenant qu'il a quitté ce monde et qu'il en est absolument séparé. Mort. Les autres ne sont pas séparés. Ils tournent encore autour de leur cadavre. Ils tournent encore autour de leur cadavre. Je ne suis pas mort.
Mais je suis séparée.